Alors, se reconstruire, pour répondre à la première partie, c'est un moyen pour moi d'exprimer. On ne peut pas se sortir de ça sans exprimer ce qu'on a en tête, ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a ressenti. Les mots, c'est une chose, mais sauf qu'ils sont calculés, on réfléchit à nos mots, ça a un sens très vite. Pour moi, le dessin a toujours été quelque chose de naturel, mais instinctif. Et en tant que dessinateur, on essaie toujours de travailler sur ce qui est instinctif, beaucoup plus que sur ce qui est réfléchi. Du coup, je vois dans mes dessins, très souvent après coup, une dimension que je n'ai pas abordée, sur le coup, que je n'ai pas forcément souhaité, et qui, du coup, devient très intéressante parce que j'ai un retour de la part des lecteurs ou une analyse de moi-même qui me vient après coup, qui est « j'ai posé ça sur le dessin ». Donc maintenant, il faut que j'essaie de le comprendre. Et il y a pas mal de choses que j'ai compris après coup, que ce soit pour le premier ou pour le deuxième. J'ai appris en cours de réalisation du deuxième, par exemple, que les tentacules, c'était l'inconscient qui voulait sortir en analyse. Ça a l'air de rien, mais j'ai basé mon récit sur ça. Donc finalement, sur l'inconscient qui voulait s'exprimer. Donc c'est un deuxième niveau de lecture par rapport à ce que j'avais moi prévu de mettre dedans. Donc pour continuer sur la reconstruction par rapport aux autres, je pense que ça amène une lecture et une lisibilité aux gens qui l'ont vécu, qui n'ont pas forcément conscience de tout ça. C'est-à-dire que entre le vivre, l'exprimer, il y a une énorme différence et pas mal de gens se retrouvent dans une incapacité d'expression ou une difficulté d'expression. Ça leur permet aussi d'avoir un support pour se dire « je l'ai vécu, c'est ça que j'ai vécu ». Donc il y a un côté témoignage vivant, témoignage physique qui est là et qui du coup donne un objet auquel ils peuvent se rattacher. Alors je pensais ça pour les autres, mais je l'ai vécu moi-même puisqu'au bout d'un an après la sortie du premier, je l'ai relu en me demandant si je l'avais bien vécu moi-même. Et le fait d'avoir ce bouquin qui racontait mon histoire était un signe de réalité, était un signe que oui, je l'avais vécu. Parce que c'est le problème de la mémoire, c'est qu'elle est très fluctuante. Et il y a un moment où on finit par se demander si on a vraiment vécu ce truc-là. Quand on n'a pas été blessé physiquement parlant, on est simplement dans l'intellect. Donc l'esprit nous joue des tours par rapport à tout ça. Pas mal de survivants m'ont dit aussi que ça leur avait mis des mots, ça leur avait permis d'expliquer à leur famille ce qu'ils avaient vécu, qu'ils n'avaient pas réussi à faire passer. Moi, des amis m'ont dit après coup, « Ah ouais, en fait, ça a été hyper violent. » Parce que le fait de l'avoir vu à la télé, le fait de l'avoir vu aux infos, ne leur donnait pas cette dimension humaine. Et comme je me base et je porte mon intérêt sur l'humain dans ce que je fais, tout d'un coup, ça prenait une dimension de ressenti pour d'autres personnes qui était assez incroyable. C'était pas on est dedans, on ne se figure toujours pas ce que l'autre a vécu, mais on commence à se l'imaginer. On est en combat permanent avec nous-mêmes, avec nos ressentis, avec nos volontés d'exprimer les choses. Et c'est extrêmement difficile de ne pas tomber dans la colère, de ne pas tomber dans la haine, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux et qu'on se retrouve tiraillé. Il se trouve qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un d'haineux, je ne suis pas quelqu'un qui voit les choses autrement que par l'humain. Donc c'est ce message-là que j'ai voulu véhiculer de toute façon. Après, j'essaye de ne pas me mettre en jugement par rapport aux gens parce que chacun est différent et chacun a sa manière de réagir. Mais qu'on parle de douleur humaine, on parle de trauma, on parle de... J'avais échec en tête, mais c'est pas tout à fait ça. C'est trajectoires de vie qui sont très difficiles. Je suis là-dessus complètement en accord avec tout ce qui a été dit par l'association Life for Paris, ou 13 novembre d'ailleurs, les deux, qui à chaque fois ont essayé de prendre une position qui n'était pas politique en soi, donc de ne pas politiser le discours, ce qui est une position politique, mais sans donner un avis tranché dans un sens ou dans l'autre. L'avis, c'est le point de vue des victimes. On essaye de défendre le point de vue des victimes, le point de vue des gens qui l'ont vécu, de la manière la plus universelle possible. Et je me suis attaché, moi, à ce message-là, naturellement, parce que finalement, c'est le mien. Je remets les choses et les actes dans les points de vue humains. Donc, ce sont des personnes qui sont venues, qui ont tenté de nous tuer.
Il y a des conséquences et des causes qui sont obligatoirement politiques parce qu'on ne peut pas voir les choses autrement que d'une façon politique. Et donc les responsabilités ne sont pas que sur ces trois personnes, même si, bien entendu, c'est eux qui ont appuyé sur la gâchette. Donc il y a une volonté de déculpabilisation des personnes qui étaient là et qui peuvent se sentir coupables, mais il y a aussi une volonté de crier une colère sans la crier. Mais pour dire, prenez conscience que la responsabilité, elle est multiple. Prenez conscience que la responsabilité, elle est au-delà de la religion et de toutes ces petites querelles intestines qui finalement toujours existaient. Essayons de sortir de tout ça un peu la tête haute et d'être un petit peu moins idiot qu'on l'a été jusqu'à présent.